What's up, Jean de l'Internet, je vais pas qu'on se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP Faction disponible sur la planète Minecraft. Vous êtes au courant de toute façon, les amis. Le lien pour rejoindre le serveur est dans la description. C'est très simple, kfaction.net. Et vous nous rejoignez, vous téléchargez le launcher, vous créez un compte sur le site avec un mot de passe que vous n'avez jamais utilisé sur aucun autre serveur et vous allez pouvoir vous connecter et obtenir un max de fun. Juste vous remercier énormément les amis parce qu'hier après-midi lors des enclaims des AP nous étions 400 et il y avait beaucoup de gens qui essayaient de se connecter. Malheureusement nous n'allons pas augmenter les slots à 450 comme beaucoup d'entre vous aimeraient. On va peut-être augmenter à 420 max pour l'instant. On veut vraiment tester les performances de la machine. Alors qu'on était à 400 connectés, notre machine était à 18.09 TPS, donc c'était quand même assez bien, mais on veut vraiment proposer une bonne qualité de gameplay aux joueurs qui sont sur le serveur. Donc si vous n'arriviez pas à vous connecter à cause de ça, vous n'avez pas eu d'AP, etc., je suis vraiment désolé les amis, mais les factions qui ont plus que deux claims d'AP complets, on va les unclaim, on va les claim par le staff et on va refaire un unclaim d'AP plus tard dans la... On va unclaim les AP chaque jour, des trucs comme ça, dépendamment des factions qui abusent, parce que la limite c'est de deux claims par faction, par au complet quoi. Vous avez pas le droit d'avoir, vous pouvez avoir un claim à l'ouest et un claim au nord, mais vous pouvez pas avoir un claim au nord, un claim à l'est, un claim au sud et un claim à l'ouest. Vous comprenez, on n'a pas le droit de ça. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec une présentation aujourd'hui de la base de la Cita. Vous allez être très surpris parce qu'ils sont quand même deuxième au classement si on fait slash classement. Par exemple, leur farm n'est pas si énorme que je m'attendais. Je me suis dit, ouais, ils ont 43 points, ça va être vraiment gigantesque. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont un système bien particulier pour leur faction, etc. Donc je vais vous laisser découvrir ça avec notre ami Triad Combo qui est un membre de la faction. Je vous reprends dès maintenant avec une petite interview. D'ailleurs, je voulais juste dire une petite parenthèse que je me suis inspiré pour le style d'interview. Je me suis inspiré de Flows, mais que les basses sorcières, les amis, les notes, etc. Je les faisais déjà bien avant. Donc voilà, un gros merci merci à Floss pour l'idée. Et puis j'avais juste pas mentionné dans la dernière vidéo, mais j'adore les vidéos de Floss. Et puis voilà, je pensais que c'était évident, mais il y en a beaucoup qui ont dit plagiat. Donc voilà, sur ce les amis, je vous reviens. Bon, on se reprend les amis, on est accompagné de Tryhard Combo tiré du bas. Comment vas-tu Tryhard Combo aujourd'hui? Je vais très bien, mon cher Akon. Salut, Tryhard Combo. Aujourd'hui, Tryhard Combo, toi, t'es dans la faction Stop avec un 0, vu que vous savez pas écrire, on est bien d'accord? Effectivement, c'est très mal écrit. Et vous êtes dans le classement faction numéro 2, non? Ouais, bien, oui. Vous êtes dans le classement faction numéro 2, et est-ce que vous... comment ça fonctionne, votre faction? Est-ce que vous avez un reform? Ok, là, je viens de faire votre reform, je suis à votre reform, donc il faudra que tu me guides un peu. Viens. Voilà, je vais sortir mon bateau. Ben ici, on a... C'est un très simple faune. Une très simple farm à cactus avec la récolte ici à la fin. D'accord. Combien ça produit à peu près, genre, par heure, mettons? Pour une heure, combien de monnaie ça te donne de DC, par exemple? Sachant qu'un DC, c'est à peu près 8000$, là. Oui, je dirais un DC par heure. Ben, un DC à deux DC, en fait. OK. C'est quand même bien. Ça vous donne 16000$. Qu'est-ce qu'on a si on descend en bas ici? Oui, ben j'ai débloqué parce qu'en gros il y avait des gens qui nous ont assaut, mais ah. En bas on a ici ça va être tout creusé. La base n'est pas terminée, on va tout creuser tout ça. Ça va être plusieurs farms. Puis vous allez faire des farms à quoi? Probablement canne à sucre, cannabis. Ouais, parce que le cannabis ça rapporte beaucoup d'émeraudes, hein, je suis totalement d'accord ouais, avec toi. Ouais, cannabis c'est très rentable. Là je suis monté jusqu'en haut pour voir les farms. Oup là, ok je vais monter, ça sera pas long. Oupidou! Ah oh ouais, c'est quand même assez gigantesque. Et ça, c'est du combien de claims? Je veux pas faire F-map, là, mais ça, c'est sur du combien de claims? C'est bien protégé, quoi, ou... C'est juste un... Je pense que c'est 9 par 9. Attends, je vais faire F-map, moi. Ouais, c'est 9 par 9. Ah oh ouais, c'est quand même assez gigantesque. Puis au niveau des protections, vous avez juste fait un sand wall, ouais, c'est ça. Ça, par exemple, c'est quand même assez facile à rentrer. Ça, je pense que vous êtes au courant. De toute façon, il y a un trou ici, les gens peuvent rentrer automatiquement. J'ai l'impression ouais, qu'ils ont... ça me dérange pas vraiment. Ouais, c'est ça, c'est juste une farm, c'est ça? Puis comment fonctionne ça, toute la faction farm ici, ou vous avez chaque membre de la faction a une BP avec une farm, par exemple, quelque chose comme ça? Comment ça fonctionne le système dans votre faction? Ben, personnellement, moi j'ai une farm à cannabis, et probablement beaucoup de membres de notre faction ont des farms à cannabis. Je vais faire F-show stop, je vais regarder, c'est qui le chef de ta faction? Manque de respect? On manque de respect. Nous, on va aller voir qu'est-ce que il y a beaucoup de home farm. Ah, ouais. Ouais. Chacun d'entre vous, je pense, vous avez un système de farm. Parce que lui, il y a une énorme farm à cannabis, lui aussi. Qui est quand même assez gigantesque. Oh, là. Ouais. Oh, oui.
Ah oui, il récolte bien le cannabis, lui, hein. C'est quand même incroyable. Je pense que c'est comme ça que vous devez vous faire beaucoup de points, parce que je pense que c'est juste 16, 16 feuilles de cannabis, et si vous les récoltez à la fortune, ça marchait à la fortune, si tu peux m'informer là-dessus. Non, juste les graines de cannabis qui rapportent plus à la fortune, Ok, mais mais pas les feuilles. non, Ok, effectivement, ok. pas les feuilles. Damn, il y a vraiment une énorme farm, c'est ton chef, il y a vraiment une énorme farm. On va regarder quelques autres membres de ta faction. Peut-être des joueurs vraiment actifs sur ta faction, tu me conseillerais qui? Dans la Je situation. passerai Romelzon. Ok, oui, lui était un ancien guide, il a un livre de staff. Mais Romulus Bub, il a une farm lui aussi, je vais aller voir sa farm. Ouais, sa farm s'est faite piller, mais Bon. c'était une farm, on peut voir ici, il y avait des melons, une grosse farm à melons, parfait. Y a-t-il une autre farm, peut-être qu'il y en a une. Non, il n'y a pas d'autre Ben, farm, il y a de BP. Il y a une Dimension, il BP y a... sécurisée. Timantium, je sais qu'il travaille sur une farm. C'est un membre du staff aussi, Timantium. Je sais qu'il travaillait sur une grosse farm. Oh, les noms de trucs. Raid, EB, Reuben, PD, ça doit être sa base vu qu'il est un PD. Donc, ouais, c'est ça. Il y a une farm. What the fuck? Il y a une énorme farm en cannabis, lui aussi. Ouais, la cannabis, c'est Pas très cannabis, rentable. sur le cactus. Il y a à peu près un, je dirais, un rough claim aussi ici de cannabis. Je vais juste. Oh my god, je vais aller voir en bas, c'est incroyable ça. Hop là, j'ai fait une connerie. Hop là, il est juste ici. Wow, what the fuck, tout ce que je récolte. Comment qu'on peut aller? On peut le sortir en bas là? Ouais. Ah ouais, il a tout bien protégé aussi pour pas que les gens puissent venir péter. Dédicace à Jérémy. Donc, il fait une dédicace à Jérémy. Ah ouais, il y a un beacon et tout, c'est super bien fait ce truc là. Je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Bon, j'ai enfin trouvé la farm de Timantium, donc je vais juste faire vous montrer un peu les membres que Tryhard Corbeau m'a dit d'aller visiter, m'a dit de voir. Donc Timantium, on peut voir aussi, c'est une farm aussi comme ça à la sortie. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais c'est une mini farm comparativement aux autres. Ils doivent possiblement plus farmer vers le FOM si je m'abuse. Beaucoup de gens se traînent au FOM, non? Ouais, on est pas mal tout au Et FOM, c'est ben. quoi l'autre faction que tu l'autre membre de gens que tu me disais? C'est Stéphane comme ça, Ouais, non? Stéphane. Ok, je vais aller voir Mécanique. sa farm. Même chose, sa farm a été aussi pétée. Donc, vous aviez toutes plein de petites farms, mais elles ont été pétées. Donc, c'est peut-être ça qui vous Un peu ralentit un petit dommage. peu. Mais sinon, oh, ben non, je peux voir ici, il y a une autre énorme farm. Bah, un énorme, c'est un. Je dirais, ouais, à peu près sur un claim. C'est un claim de cactus et des melons, vite fait. Donc, ouais, ils viennent de commencer à la construire. Mais, ouais, c'est ça, vous êtes énorme. Donc, on va aller voir à toi, dans le fond, tu sais, vu qu'on va finir par toi. Toi, c'est quoi le nom de ton arme, farm? Vraiment des noms matures, Caca. hein. Non, c'est Ah. caca. Ah, et ton home farm, c'est où ça? Home farm, c'est en haut pour placer le sable Ah, à ok. la waveform. Très mature ce nom. Aussi, les amis, petite mention, j'ai pas mentionné, mais les volcans sont maintenant à tous les 4 heures et les temples sont à tous les 1 heure. Donc, à chaque heure, vous pouvez en récolter des items au truc. Donc, là, on peut voir que tu farmes énormément le cannabis. Est-ce que les graines de cannabis te servent à quelque chose, honnêtement? Non. Pas Juste à vraiment. replanter? Ouais, juste à y replanter. Sinon, j'en donne quelques fois aux gens, comme ça, ils ont du cannabis, Ben. mais sinon, c'est pas mal ça. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas si les gens le font, mais tu peux les vendre à l'HDV. Tu devrais. Tu sais, comme le prix que tu achètes au départ, il est beaucoup élevé. Tu peux peut-être les vendre un peu moins cher, etc. C'est quoi ça ici, mon ami? Ah, ça, c'est une farm à Blaze. Sans spawner à Blaze, bien évidemment. Ah! Parce qu'on est trop pauvre. C'est une farm à Blaze sans spawner à Blaze. Oh, C'est ouais, assez c'est un peu triste, ça. dommage, c'est un peu dommage. C'est. Mais c'est à voir, futurement. Tiens, je t'en ai rajouté un, je te fais un cadeau, mon ami Tryhard Combo. J'espère que Wow, ça te fera farmer les plaisir. blazes. Et Ah puis, oui, mon icons. voilà, je vais te laisser un petit cadeau. Je vais te laisser ça pour m'avoir permis d'interviewer un peu savoir qu'est-ce qui se passait. Et puis, si t'avais à donner un conseil à des joueurs qui écoutent la vidéo et puis qu'ils connaissent pas nécessairement la faction ou ils veulent rejoindre mais ils savent, sont pas trop sûrs, qu'est-ce que tu leur dirais? Le cannabis, c'est la vie. Faut le farmer. Voilà. Donc, toi, tu penses que la meilleure façon de se faire des points, c'est vraiment le cannabis, c'est ça? On peut le voir de En toute tant façon, que. ta base, c'est que du cannabis. Ouais, mais bien évidemment. Et pour. Je dirais, farmer le cannabis. Puis quand vous avez une petite ferme à cactus pour AFK, c'est parfait. Avec le Damn. cannabis, ouais. Vraiment énorme pour une faction qui est deuxième au classement. Vous n'avez pas des énormes farms, mais vous en avez plein de petites. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne technique parce que dans le fond, si vous faites piller par, je sais pas moi, mettons qu'une faction vous paye une base, une de vos farms, ben, vous pouvez continuellement
Continuer à farmer dans le fond les points, le cactus, etc. Parce que si t'as une grosse farm avec tous les membres de ta faction, si vous faites tout péter votre farm ou vous faites péter attaquer, vous êtes un peu dans la merde après parce que tu sais, vous pouvez plus, vous êtes un peu bloqué quand vous avez farmé les points, il y a quelqu'un qui a trouvé ta base donc il peut te camper, etc. C'est un peu embêtant. Mais sinon, Travar Combo, un gros merci d'avoir été avec nous pour cette vidéo. Je t'ai donné un petit spawner à Blaze à chaque base que je vais aller, je vais laisser des petits cadeaux à chaque fois. Donc toi, t'es quand même chanceux, t'es tombé sur un spawner à Blaze, la favoritisme. Malheureusement, on n'a pas eu de cadeau, mais je t'ai donné un petit spawner à Blaze pour ta base à toi, vu que c'est toi que j'ai interviewé. Un gros merci à toi, mon ami, et puis je te souhaite une bonne fin de journée, et puis j'espère que de passer à ma vidéo, ça t'a fait plaisir. Tu veux-tu dire un mot pour la fin? Vive la stop. Damn, petite promotion there.